Notre politique d'accueil de la vie étudiante, c'est important pour nous de pouvoir accueillir dans cette période de rentrée les étudiants sur notre territoire. C'est aussi l'occasion de leur remettre la Welcome Box, c'est vraiment pour accueillir au mieux, pour faciliter l'accès. Et aussi pour que la ville de Chambéry puisse bénéficier aussi de tout l'apport de cette vie étudiante. Alors ce soir, c'est la 5e édition de la Welcome Night. Donc c'est une soirée spécifiquement faite pour les étudiants. C'est fait pour leur souhaiter la bienvenue et leur montrer qu'à Chambéry, bah, ils vont y passer une super année. Oui, assez satisfaite parce que je vois des jeunes qui s'amusent, qui se rencontrent, qui ont des services qui leur sont gratuits. Et ça, ça fait plaisir. On est encore jeunes aussi dans ce service, donc ça nous permet de pouvoir jauger un petit peu qu'est-ce qu'on peut leur offrir, qu'est-ce qu'ils attendent à Chambéry. Donc j'espère que le pari est réussi, je pense que c'est aux jeunes de nous le dire maintenant. En fait, on avait une pote en deuxième année qui était venue l'année dernière, elle nous a dit que c'était bien, donc on est venu faire un petit tour. Et pour l'instant c'est cool, il y a de la nourriture, il y a de la musique, c'est cool, on s'amuse, c'est bien. Ça permet de faire de nouvelles rencontres. Même si t'es pas du coin, ça peut te permettre de rencontrer des gens de ta formation ou des gens avec qui tu n'oserais pas parler dans ton IUT ou dans ta fac. Pour moi, la Welcome Night, c'est une super soirée parce que ça permet de découvrir un petit peu la vie culturelle, de rencontrer du monde en dehors de sa promo. Et puis surtout, c'est gratuit, donc c'est accessible à tout le monde. Donc c'est une façon idéale de commencer l'année finalement. Je la trouve hyper bien, surtout qu'ils ont programmé un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Human Pattern. Il fait un travail génial, donc c'est super de pouvoir voir son spectacle, enfin son concert gratuitement. Ouais, ça a beaucoup tourné. Vu que c'est ouvert, on permet aux jeunes de rentrer et sortir. S'ils ont envie de faire une partie de la soirée ici, ils le font. S'ils ont envie de la faire ailleurs, ils peuvent aussi. Ils sont libres de venir à toute heure. Donc on a eu du monde qui est passé, je pense, en tout 400 personnes. J'étais moi-même nouvelle cette année à Chambéry. Et tous ces événements m'ont permis de rencontrer plein de gens hyper intéressants, des gens qui sont ouverts d'esprit et qui ont juste envie de s'amuser et de faire de nouvelles rencontres. Donc je leur dirais, venez à la Welcome Night chaque année, c'est le moment de se faire des copains tout simplement.